Hey, Pauli, c'est un WSP 95 avec... Ouais. Aujourd'hui, on est de retour enfin pour la première vidéo de 2020, parce que pour la première vidéo de train de 2020. Parce que toutes les autres vidéos que j'ai fait, que je poste là actuellement, sont des vidéos filmées à 12 ans, 3 ans. Ou pas, peut-être pas 3 ans, mais... 2018-2019. Ouais. Et là, on est enfin de retour en 2020, le 26 décembre. Pour ce live entre guillemets sur le PN23 en 2020. Alors regardez les différences sur le PN23 entre 2018 et maintenant. Par exemple, vous voyez là où il y a le rail, eh bien il y avait des bois, c'était du bois. Et maintenant regardez, ce sont des bouts d'asphalte, je crois, qui sont faits comme ça. Et à gauche, je ne sais pas si vous voulez voir, si vous pouvez voir, mais il n'y a plus de plantes. Regardez, ça a été désherbé. Et à mon avis, bah c'est tout. Et j'ai oublié le ballast, donc les petites pierres sur les rails. Et bien, ils ont été rénovés aussi. Des petites pierres toutes blanches maintenant. Bienvenue, du coup, dans cette première. Welcome. Et bien sûr, j'utiliserai mon téléphone, par exemple, pour prendre les photos. Le premier train il arrive dans pas longtemps. Vas-y Swag, je te conseille de venir. Non, moi, je reste là. Le premier train il va pas tarder à arriver là. Il est 15h06 à peu près. Non, l'heure là il n'est pas correcte. Je sais pas si elle est affichée déjà. L'heure sur la caméra n'est pas correcte. Il est 15h06. Vers 15h10, le premier transilien il arrive sur la voie 2, si je ne me trompe pas. Donc vas-y, j'allume l'iPhone. C'est parlé. Donc vous voyez bien, le PN est juste là. Je vous montrerai la suite. L'indicateur qui reste le même, hein, qui n'a pas de changement. Et regardez le ballast, bah c'est ça, ce sont les petites pierres. Regardez, 23 pour PN23. Là-bas, nous avons un bon virage là-bas. On peut bien voir les trains arriver. Et là-bas, un autre virage. Mais on voit moins parce qu'il y a des plantes. Alors vas-y, dis aux spectateurs pourquoi tu préfères rester là à une quinzaine de mètres du PN. Parce qu'en fait, ça me fait des screamers. Un screamer dès par exemple que le PN se déclenche. Ouais. Et bien sûr, les plaques d'immatriculation sont cachées. Dans plusieurs minutes, le premier train arrivera. Si par exemple, après que le PN s'est déclenché, tu peux venir à côté de moi. Comme ça, on fera coucou au train et peut-être il va le faire siffler. On fera siffler le train. J'espère que vous aimez les trains. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne. I hope you like train videos. Subscribe to this channel if you do. Bon, je vais rester... voilà, là c'est un cul-de-sac. Hein. Là-bas, il y a la rivière de l'Oise. Ça va bientôt arriver là. 2-3 minutes, le train il arrive, je crois. Une ou deux. Tu es prêt, Swag? Prépare-toi à avoir un petit screamer. Et pendant que le PN sonne, tu peux venir ici. Hein. Là. Côté de la barrière. Devant la barrière, d'accord? Ouais. Derrière, c'est dangereux. En plus, les trains ils passent vite. Ils passent à en moyenne 140 km/h ici, je crois. J'entends, ça arrive sur la voie 2, je crois, ou la voie 1, je sais pas. Je crois plutôt que c'est la voie 2. Parce que j'ai regardé le train à destination de Paris Nord. Et j'ai entendu dire que sur les Z50 000, il y a des livrées Île-de-France Mobilité en bleu. Parce que j'en ai beaucoup filmé des carmillons
J'espère qu'on va en avoir un aujourd'hui. Oh, attendez. Il y a un car qui approche. Le Pen va bientôt se mettre à sonner. Je pense. Et ça filme toujours. Tant mieux. Ok, le car, il ne s'approche pas. Ah, voilà. Voie 2, ça arrive de l'autre côté. Je vais zoomer. Z50 000 qui arrive. Allez, viens, viens, viens. Voilà, premier train, il est là. L'indicateur est désactivé, le PN est désactivé. Alors, sur la gauche, que tu as cherché au PN, il a sonné. Non, non, moi non plus. Il est trop loin pour entendre. Oui. Et il n'est pas passé très vite, hein. Il y en a deux. Il y avait qu'une Z50 000 et apparemment, je crois qu'il y a un train de machine, je crois, quelque chose comme ça. À ton avis, il est très rareté si on le met en RBS. Chromatique. C'est la même chose. Tu sais pourquoi il est chromatique? Oui, je sais, il passe tous les jours, mais il se raréfie. Donc, je sais, si vous savez pas, et si c'est un mot que j'ai inventé, ça veut dire que ça devient plus rare. Bon, allez, j'arrête. J'ai arrêté la capture avec mon téléphone. Il y en a combien de trains qui sont passés là? Là, le premier il est passé, le deuxième il arrivera dans, je sais pas, 15-20 minutes. Là, comme ça. Après, ce train là, il va passer. Oui, après on partira. Après ce sera la fin du live. De la première. Allez, tout à l'heure les potes. Le train arrive. Là, voie 1. Finalement. Alors qu'est-ce que c'est? Le 50 000, PM, j'espère que c'est le PM. Si ça ne l'est pas, je vais être déçu. Focus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une Z50 000 Île-de-France Mobilité. Il a sifflé deux fois, il a sifflé juste quand il était là, et il a sifflé juste quand il était juste là. D'une fois, regardez, vous voyez le virage là-bas, il a sifflé allez, là-bas, allez, et après il a sifflé en retard, il a sifflé juste là. Bon ben voilà, première Z50 000 en IDFM, donc j'ai une crise cardiaque. T'avais une crise cardiaque, hein. Bon ben voilà, c'est la fin de ce live, entre guillemets, donc de cette première. Merci d'avoir regardé. Dommage qu'on n'a pas eu le TM aujourd'hui, peut-être une autre fois. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez de la commentaire et partagez la vidéo. Au revoir les cadeaux.